Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Une minute et on commence. Ok, on va commencer avec l'appel. Mademoiselle Sophia. Bonjour, ici. Bonjour, mademoiselle. Merci beaucoup. Mademoiselle Elisabeth. Excellent. Très bien. Bonjour, mademoiselle. Merci beaucoup. Monsieur Emiliano. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Mademoiselle Belen. De ce côté-là. Voilà. Excellente. Bonjour, mademoiselle. Merci. Mademoiselle Frida. Non, pas mademoiselle Frida. Non, je crois qu'elle n'a pas. On ne peut pas entrer. Alors, on va voir. On se voit ici pour les mousses en étage. Voilà. Mademoiselle Darlene. Bonjour, madame, ici. Bonjour, mademoiselle. Merci. Mademoiselle Rebecca. Mademoiselle Valeria. On n'a pas Mademoiselle Valeria. Mademoiselle Yari. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Merci. Mademoiselle Samantha. Excellente. Très, très bien. Mademoiselle Lisette. Ici, madame. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Merci. Mademoiselle Luz. Bonjour, mademoiselle. Merci beaucoup. Ah, oh, excellente. Merci. Mademoiselle Paulina. Excellente. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, donne-moi un moment. Voilà. Mademoiselle Alison. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonjour, monsieur Rodrigo.
pas, monsieur Rodrigo. Mademoiselle Daira. Bonjour, ici. Bonjour, mademoiselle. Excellent, très très bien. Monsieur Paolo. Ah, voilà. De cette table. Ok. D'accord. Mademoiselle Mireille. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Merci beaucoup. Ah, ok. Excellent. Mademoiselle Daniela. Excellent, très très bien. Mademoiselle Fernanda. Excellent, merci beaucoup. Mademoiselle Carla. Excellent. Mademoiselle Scarlett. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Merci beaucoup. Mademoiselle Marron. Okay. Excellent. Merci beaucoup. Okay. Mademoiselle Araceli. Mademoiselle Julieta. Merci beaucoup. Excellent. Mademoiselle Camila. Ici, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Merci. Mademoiselle Karen. Ici, bonjour. Salut, mademoiselle. Merci beaucoup. Excellent. Mademoiselle Hanna. Ici, madame. Merci, mademoiselle. Mademoiselle Wendy. Excellent. Et monsieur Ricardo. Ici, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, il manque seulement monsieur Alexis Rodrigo. Oui, madame. Ici. Ah, excellent. Ah, ok. Excellent. Très, très bien. Alors, merci, mademoiselle. Merci, monsieur. Donnez-moi un petit moment, s'il vous plaît. Ok, excusez-moi. Je suis de retour. Voilà. Bon. Très bien. Aujourd'hui, on va commencer. Bienvenue tout le monde. On commence avec notre séance numéro 20. C'est la 12e séance de la semaine numéro 10. Et aujourd'hui, c'est jeudi 24 mars 2022. Notre séance est de 9h à 11h. Et l'objectif d'aujourd'hui, on va voir la prononciation des plus.
Et un petit peu de vocabulaire, les meubles, la ville, les quartiers. Et on va passer avec autre thème de grammaire, c'est le futur simple. Okay. Mais avant de commencer, on va voir un petit peu les devoirs. Rappelez-vous que la classe dernière, on a vu les pronoms possessifs. Rappelez-vous les pronoms possessifs. Alors, on va faire quelques petits exercices du pronom possessif, seulement pour se souvenir, pour accorder bien. Okay. Donc, par exemple, si vous avez « j'aime beaucoup mon village », rappelez-vous que « mon », c'est adjectif possessif. C'est un adjectif possessif. L'adjectif possessif utilise un nom. Et le pronom possessif va remplacer. Acuérdense que el pronom possessif remplaza. Remplace le nom. Par exemple, si on a mon village, c'est masculin ou féminin? Qu'est-ce que vous dites? Masculin? Féminin. Exactement. Très, très bien. Non, c'est pas féminin, c'est masculin. Le village, c'est masculin. Singulier ou pluriel? Singulier. Exactement. C'est singulier. Voilà. Masculin, singulier. Rappelez-vous que les pronoms possessifs, est choisi en fonction du nom. S'élige en fonction del nombre, del nombre del sustantivo. Okay? Donc, par exemple, on a « et toi, tu », ici, c'est marqué la personne, nous marque la personne. « Et toi, tu aimes », quel est le pronom possessif pour le village? Non. Quel est le pronom possessif? Ah, exactement. Les tiens. Très, très bien. Et toi, tu aimes les tiens? Voilà. Parce que c'est le pronom possessif de tu, et ça c'est le masculin singulier. Les tiens. Excellent. Très bien. Par exemple, si vous avez, vous voulez acheter une maison. Une maison. Venez visiter. Notez la personne. Nous souhaitons la vendre. Les marca por ahí también el sujeto. Alors. Nous souhaitons la vendre. Venez visiter. Quel est le pronom possessif ici? Nous souhaitons. Exactement. La nôtre. On va utiliser ça. La nôtre. Rappelez-vous, je sais que c'est pour les claviers, mais on utilise l'accent circonflexe, la nôtre, exactement. N'écoute pas Paul, viens vivre dans mon appartement, vous avez appartement. Il est plus grand que... Quel est le pronom possessif? Vean también el sentido de la oración. Il est plus grand que. S'il dit n'écoute pas Paul, il est plus grand que. Les miens, non, parce que tu parlais à quelqu'un. Le estamos hablando a alguien.
Ah non, si, pardon. Oui, les miens. Vous êtes correct. Mm-hmm. C'est bien, Jasper. Il est plus grand que... ne coupez pas. Non, si. Estamos hablando del departamento de alguien más. ¿Cuál sería? Il est plus grand que le, en vez de mien. Ah, por ahí, te lo están diciendo alguien. N'écoute pas Paul. Viens vivre dans mon appartement. Il est plus grand que le. Que le tien. Exactement, que el tuyo. Par exemple, podría ser que el suyo, si estamos refiriéndonos a Paul, no tenemos tanto contexto, pero podría ser le tien o le sien. Excellent. On a n'achetez pas de chaises. Nous vendons tous nos meubles et nous pouvons vous donner. Quel est ici? Que les nôtres. C'est féminin, mais rappelez-vous que notre, au pluriel, c'est seulement comme ça. Que les nôtres. Excellent, très très bien. Vous avez aussi de ce côté-là, ça c'était les devoirs. Ça c'était les devoirs. On va seulement réviser. Par exemple, si vous avez ma résidence secondaire à deux salles de bain, et quelle est la réponse correcte ici? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Voilà, de ce côté-là. Exactement. Et la vôtre. La vôtre. Vous savez que la résidence, ma résidence, est féminin. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les. Et vous avez la sienne, peut-être, ou la vôtre. Ici, c'est la vôtre. Et la de usted. O la de usted, por ejemplo. Très, très bien. La suivante, si vous avez les nôtres, le nôtre ou la nôtre, ressemble à la maison de la famille Leluc. Quelle est la correcte? Les nôtres. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ah, la nôtre. Pourquoi la nôtre? Pour qu'en vez de... Pourquoi va ser la nôtre et non les ou le? Qu'est-ce qui remplace? Qu'est-ce qui remplace? Exactement. La maison. Ici, il remplace la maison. C'est pour ça que le, ce n'est pas masculin. Le, ce n'est pas pluriel. C'est féminin singulier. Votre maison est plus moderne et plus traditionnelle. Quelle est la correcte ici? Voilà, de ce côté-là. Les leurs, qu'est-ce qu'il va remplacer? Qu'est-ce qu'il va remplacer ici? Ah, ah. Exactement, la leur. Qu'est-ce qui remplace? Qu'est-ce qui remplace? Non. Les leur. La quoi? La. Exactement, maison. Por ahí, chicos, si me ayudan con sus micrófonos, creo que anda uno por ahí abierto. La leur va remplacer la maison. Très, très bien. Ce n'est pas pluriel, ce n'est pas masculin. C'est pour ça qu'on utilise le féminin. La leur, la maison.
Si vous avez, au fait, vous avez visité l'appartement de Pierre à Cannes. Ah, ce n'est pas. Cet appartement appartient à des amis. Quel est le correct ici? Voilà. Les siens. Exactement. Qu'est-ce qui va remplacer? Les siens remplacent. Ah, oui, exactement. L'appartement. Très, très bien. L'appartement. Très bien. Vos informations sont plus précises que... Quelle est la correcte ici? Exactement. Quelle est mienne? Qu'est-ce qui va remplacer les miennes? Ah, information. Information est féminin. Exactement. Mm-hmm. Très, très bien. Information est féminin. Mm-hmm. Et c'est pluriel. C'est féminin, oui, mais ce n'est pas singulier. Ce n'est pas masculin. Très, très bien. Et aussi, de ce côté-là, appartement, ce n'est pas féminin, ce n'est pas pluriel. Très, très bien. On va voir l'autre partie de la, de devoir. Notez que vous devez dire, par exemple, c'est ma chaise. Non, ce n'est pas la tienne. Vous êtes en train de répondre. Están respondiendo. Par exemple, si on dit « c'est le bureau de Patrick », on dit « quelle est la réponse ici ?» Non, todos aquí van a utilizar, bueno, el C negativo. Non, ce n'est pas, ojo nada más como escribimos, n'est pas, avec apostrophe, ce n'est pas quoi ? La sienne. La, mais pourquoi la ? Oui. Les siens. Exactement. Mm-hmm. Rappelez-vous que de ce côté-là, ce n'est pas les siens ici. On parle de... Qu'est-ce qui va remplacer les siens? Donnez-moi un petit moment, s'il vous plaît. Donnez-moi un moment. Excusez-moi. Ya estoy como los viejitos. Me da aire y me empiezo a poner con gripa. Es que ahora hay que justificar cada tos y cada estornudo. Mais bon. C'est le bureau de Patrick. Ce n'est pas les siens. Les siens. Les siens remplacent quoi? Exactement. Les bureaux. Les bourreaux, c'est masculin, singulier, et c'est d'il, parce que c'est Patrick. Mmh, très bien. C'est votre placard, non? Quelle est la réponse ici? Ce n'est pas... Ok, la notre placard, c'est féminin. Les nôtres, exactement. Ce n'est pas les nôtres, parce qu'on est en remplaçant les placards. Voilà. Les placards, qui c'est masculin, singulier. Le, exactement. Très, très bien. Même si vous pouvez utiliser, par exemple, oui, ne vous inquiétez pas. Même si on utilise, ce n'est pas exactement, très bien, monsieur, les miens, très bien. Parce que peut-être c'est votre
On parlait de vous, le hablamos de usted a alguien, o de ustedes. Estamos hablando varias personas. Entonces sí pueden ser los dos, ¿ok? Ce n'est pas le nôtre, que es el que generalmente, con lo que generalmente respondemos, o bueno, en este caso sí podría ser, ce n'est pas le mien. Ce sont tes chaises, ¿no? Ojo, porque aquí viene en plural, ¿cómo lo ponemos? Ce sont tes chaises, ¿no? Les tiennes. Oui, exactement. Peut-être les tiennes, peut-être les miennes. Exactement. On peut dire ce ne sont pas. Exactement. Aguas con la négation, porque aquí el verbo es temporal. Ce ne sont pas. Ce sont tes chaises. No, ce ne sont pas. Les tiennes, no son las tuyas, o les miennes, podría quedar, tal vez, las mías, se nos sonpa les tiennes. Les tiennes no quedaría tanto, les miennes, ¿sí? Más bien quedaría les miennes, aquí sí, sería más que nada les miennes. Les tiennes no tiene mucho sentido. Más o menos dependiendo. El correcto sí, definitivamente es ne son pas. Se ne son pas les miens. C'est la commode de tes amis. Non, quel est le correct ici? Les leurs. Voilà, c'était là. Ce n'est pas. Mais pourquoi les leurs? Si c'est la commode. Quelle est la correcte? Parce que c'est la commode. Non. Qu'est-ce qu'on va remplacer? ¿Qué vamos a reemplazar aquí? Exactement. La leur. Es también con el leur, la persona, porque hablamos de mis amigos, no tus amigos. Ce n'est pas la leur, parce qu'on parle seulement de la commode, que c'est féminin, singulier. À différence des chaises, par exemple, que c'est féminin, mais c'est pluriel. Ah, voilà ici, les miennes, par exemple. Mais ici, c'est singulier. La leur. Très bien. Après, vous avez, c'est l'étagère de Lucie. Non, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas... Ah, exactement. La sienne. La sienne. Une étagère. Ça me dit que étagère est féminin. Et dans ce cas-là, c'est singulier. Mais c'est féminin. Une étagère. C'est notre fauteuil. Non, ce n'est pas quoi? Peut-être les nôtres. Oui. Quelle autre réponse, Cilia? Tenemos otra respuesta. Ce n'est pas les nôtres ou... Mm-hmm.
connaissez pas. Ah, et peut-être les nôtres, ce n'est pas la nôtre, c'est les nôtres ou les vôtres. Très très bien. Ce n'est pas féminin, c'est le vôtre. Parce que c'est masculin, fauteuil, c'est masculin, mais c'est singulier. Très très bien. Le vôtre, ça c'est correct. Voilà. D'autres questions avec les pronoms possessifs? Pas de doute, pas de questions. Ok. Très, très bien. Alors, on va passer un petit peu à la prononciation. Ça, c'est seulement écouter et observer les phrases suivantes. On va écouter la prononciation. Ça, c'est seulement la prononciation. Page 52. Phonétique. Prononcer plus. Exercice 1 et 2. A. Virginie habite plus loin que Juliette et son appartement est plus ancien. B. Il y a plus de parcs à Paris qu'à Montréal, mais les loyers sont plus élevés. C. Les étudiants déménagent plus que les retraités et choisissent des métropoles plus vertes. Voilà. Donc, si vous notez, on a la combinaison entre plus et quelques mots. Par exemple, plus loin, plus ancien, plus des, par exemple. Okay. Classez dans les tableaux les expressions soulignées. Si on a plus loin, ici vous avez plus, se prononce comme plus avec la S. Ici, sans la S, acuérdense que la Y. Este es un sonido de una U con un tono de I. No es que estemos diciendo la Y, es un tono de I. Mais ici vous avez la S, ici vous avez seulement la U, aquí se queda hasta el sonido de la U, et ici vous avez la U avec la Z. Ojo porque ahí es donde hacemos una liaison. Si on a plus loin, quel est le son? Vamos a decir que es el sonido 1, el sonido 2 y el sonido 3. 1, 2, 3. ¿Quel est le son de plus loin? 1, 2, 3. Voilà. 2. Exactement. Plus loin. Vous avez ici. Plus loin. Plus ancien. Plus ancien. Quel est le son? 1, 2, 3. Exactement. Très, très bien. Les numéros 3. Ce n'est pas les numéros 1, c'est les numéros 3. Je vais montrer ici. Plus ancien. Notez que vous avez ici la liaison entre la Z, la S et la A, mais dans le son de Z. Plus ancien. Si on a plus de, plus de, quel est ici dans ce côté-là? Vous avez plus de. Il y a plus de théâtre, par exemple. Plus de théâtres, plus de châteaux, plus de parcs, sont 1, 2, 3. Exactement. On va voir pourquoi. Vamos a ver ahorita por qué. Plus de. Et si vous avez, par exemple, plus élevé,
plus élevée. Quelle est leçon 1, 2, 3? Plus élevé. Son 1, son 2 et son 3. Exactement. Les 3. On va voir ici. Voilà. Plus élevé. Voilà. Vous avez de ce côté-là. Notez que vous utilisez la Z. Plus élevé. Plus que. Plus que. Les étudiants déménagent plus que les retraités. On va voir pourquoi. Et plus vert. Si c'est féminin, plus verte. Métropole plus verte. 1, 2, 3. Deux. Exactement. Alors, ça c'est exactement la différence. Ok. Si vous notez de ce côté-là, on ne prononce pas la S, on ne prononce pas la S quand les mots commencent avec consonne. Plus loin, plus verte. On prononce la Z quand les mots commencent avec voyelle. Plus ancien, plus élevé. Ça, c'est avec voyelle. Ça, c'est avec consonne. Et pourquoi est-ce qu'ici, on mentionne la S? Ça, c'est seulement avec ces expressions. Solo con estos dos. Plus de, plus que. Seulement avec ces deux. Solo con estos dos. Plus de, plus que. Ici, vous avez la forme. Plus se prononce avec la S, quand vous avez, quand les expressions plus de et plus que signifient davantage. Quand on l'utilise pour dire que tiene una ventaja. Más de esto, más que aquello. Bien sûr, on va utiliser plus sans la S, sin la S, quand les mots commencent avec consonne. Et on va utiliser plus avec la Z quand les mots commencent avec voyelle. Mais faites attention, quand plus signifie une négation, acuérdense que vimos las frases negativas. En la négation, que significa plus, n'est plus? Par exemple, je n'ai plus de garage. Qu'est-ce que c'est « je n'ai plus de garage » Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que c'est une phrase négative? Que significa aquí je n'ai plus? No tengo. Ya no. Eso es el plus cuando es negación. Okay. Cuando es negación, cuando es la cantidad cero, on ne prononce plus. Aquí no decimos la S. Nos quedamos hasta el sonido de la U con el tono de I. Acuérdense. Je n'ai plus de garage. Ya no tengo estacionamiento. Y acuérdense que la preposición que le sigue va a ser solamente de o de apóstrofe. No importa si es masculino, femenino, singular, plural, ahí no va a importar. Siempre se pone nada más de o de apóstrofe. Je n'ai plus
des garages. D'autres questions avec la prononciation de plus? Par exemple, écoutez les phrases. Page 52, exercice 4. A. Ce quartier est plus animé. Quelle est l'utilisation ici, ou quelle est la prononciation? C'est ce quartier est plus quoi? Animé. Exactement. Quelle est la correcte prononciation? Comment le vamos a decir? Exactement. Très, très bien. Ici, avec très, très bien. Plus animé. Plus animé. Très, très bien. On va dire que ça, c'est leçon 1, leçon 2. Oh mon Dieu. Et leçon 3. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Plus animé. Très, très bien. On continue. Et plus animé. B. À Paris, il y a plus de théâtre qu'à Marseille. Quelle est la phrase? À Paris, il y a plus de théâtre. Exactement. À Paris, il y a, et vous avez, qu'à Marseille. OK. Et Marseille. Marseille. Quelle est la correcte prononciation ici? Un, deux, trois. Très, très bien. Plus de théâtre qu'à Marseille. Excellent, on continue. Il y a plus de théâtre qu'à Marseille. C. À Lausanne, on construit plus qu'à Nice. Rappelez-vous qu'on a lu à Lausanne, on construit. On construit qu'à Nice. Oh mon Dieu. On construit, et vous avez ici les plus. Quelle est de ce côté-là la prononciation? Écoutez. C. À Lausanne, on construit plus qu'à Nice. Quelle est le son? 1, 2, 3. Exactement. Parce que c'est aussi comme la prononciation de plus de, plus que. Très, très bien. Plus que à Nice. Voilà. Très, très bien. On continue. À Lausanne, on construit plus qu'à Nice. D. Mon jardin est plus petit que le tien. Quelle est la phrase ici? Mon jardin est plus... Ok, ne vous inquiétez pas. Scanis. D. Mon jardin est plus petit que le tien. Exactement. Plus petit que quoi? Exactement. Quel est tien? On utilise un pronom possessif. Quel est le son correct? Un, deux ou trois? Excellente.
Ça, c'est le numéro de plus petit. Jusqu'à la U. Mon jardin est plus petit que le tien. Ah, voilà. C'est seulement comme ça. Long. On va faire écouter et transformer à l'oral, comme dans l'exemple. Par exemple, écoutez. Page 29. Phonétique. Prononcer plus. Activité 2A. A. Ma rue est animée. Si vous avez mon appartement est grand, mon appartement est plus grand. Mais c'est pourquoi A et B. Je travaille plus. Oh. Ah, elles sont différentes. Elles sont différentes, pardon. Mon appartement est grand. Vous avez ici. Mon appartement est plus grand. Comment transforme ma roue est animée? On dit... Et quelle est la prononciation? Quelle est la prononciation ici? Qui me dit la prononciation correcte? Plus animé. Exactement. Plus animé. Si on a mon quartier est calme, quelle est la prononciation correcte? Quelle est la prononciation? Quelle est la prononciation? On ne sait pas. Plus calme. Oui, c'est correct. Plus calme. Oui. Plus calme. C'est que qui nous y montre la S. Intéressante. Ma ville est intéressante. Quelle est la prononciation correcte? Quelle est la prononciation? Voilà. Plus intéressante, exactement. Vous avez de cette côté-là. Ma ville est plus intéressante. Très, très bien. Notez aussi que quand plus signifie davantage et qu'il est placé en fin de phrase, on les prononce comme plus. Aguas. Quand c'est négation, quand c'est négation, on dit plus. Mais quand vous les posez à la fin, quand on va au final de la phrase, non comme négation, donc se dit plus. Écoutez. Page 29. Prononcez plus. Activité 2B. A. Je construis. Tu construis plus. Voilà. Plus. B. J'embellis. Tu embellis plus. C. Je démolis. Tu démolis plus. Donc, c'est important, la différence. D'autres questions avec plus.
Alors, on va passer rapidement. On va passer ici pour voir la grammaire. On n'arrête pas les progrès. Ça, c'est l'unité numéro 4. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va parler du futur, décrire l'utilité d'un objet, exprimer son intention de faire quelque chose et rappeler quelque chose à quelqu'un. Recordarle. Rappeler quelque chose à quelqu'un. Algo a alguien. Okay. Un jour, tout sera différent. Notez ici. Vous voyez, comme ça. Il était au futur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? Ici. Les jobs qui n'existeront plus dans 10 ans. Plus. Les jobs qui n'existeront plus dans 10 ans. À votre avis, pourquoi certains métiers, à quoi est-ce que métiers sont trabajos? Oficios, profesiones. Pourquoi certains métiers vont disparaître? Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi? Pourquoi certains métiers vont disparaître, van a desaparecer? Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, pour les machines. Ok, excellent. Peut-être pour les machines. Non, ça passe une fois, mais ça peut revenir à passer. Pour les machines. Pour quelle autre chose? A ver si quitando esto, mi computadora trabaja mejor. Pourquoi? Pour quelle autre chose? Pour les machines, pour... Quelle autre raison, quelle autre raison peut y avoir pour que certains métiers vont disparaître? Par exemple, la technologie, vous croyez que ça c'est une raison? Oui ou non? La technologie. Oui. Peut-être oui, pourquoi pas? La technologie, c'est importante. Pour les robots, exactement, les machines, les robots. La technologie, par exemple, excellente, très très bien. Alors, on va passer ici. On va lire et vous devez me dire. Qu'est-ce qui fait disparaître? Qu'est-ce qui fait disparaître? Hace desaparecer. Qu'est-ce qui fait disparaître les métiers des caissiers? Qu'est-ce que c'est caissier? Qu'est-ce que c'est caissier? Non, nous acordons. Qu'est-ce que tu... Cajero. Exactement. Cajero. Qu'est-ce qui fait disparaître le métier des caissiers? Et que vont permettre les logiciels de traduction automatique? Traduction automatique. Alors, on va commencer à lire. Les jobs qui n'existeront plus dans 10 ans. On commence à lire, s'il vous plaît, mademoiselle Lisette. Tu peux lire ici les premières, la première introduction, bon, l'introduction. Mademoiselle Lisette. Oh Dieu, on n'est pas ici. S'il vous plaît, mademoiselle Darlene.
madame. Essaye en grande. Ah, c'est bon, c'est bon. Si? Ok. On n'arrêtait pas les forêts, les machines nous avaient dans nos domaines et nous remplaçaient au travail grâce à nouvelles technologies et les robotisations. De plus en plus, les tâches sont automatisées. Dans le futur, de nouvelles métiers apparaîtront. Ah, je ne sais comment se lit cette parole. Apparaîtront. Apparaîtront. Et d'autres disparaîtront. Voici quelques exemples de métiers qui n'ont pas beaucoup d'avenir. Mm-hmm. Exactement. Faites attention seulement avec la robotisation. Mm-hmm. Et aide. Nous aide. Nous aide. Okay. Très bien. Si vous notez, okay, on a parlé des machines, nous remplace au travail. On a parlé de la technologie, on a parlé de la robotisation, les robots. Mm-hmm. Les tâches sont automatisées. Las tareas, les tâches. Les tâches sont automatisées. Okay. On va voir. Comme vous notez, des nouveaux métiers apparaîtront. Et d'autres disparaîtront. Apparaîtront, c'est des naîtront. C'est un synonyme. Synonyme, naîtront. Et bien sûr, disparaîtront. On lit les premières. Caissier. Dis-moi, pourquoi est-ce que le caissier va disparaître? S'il vous plaît, monsieur Emilian, tu peux lire caissier? Pas monsieur Emilien. Oh mon Dieu. Mademoiselle Julieta. Oui, madame. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a, s'il te plaît? Caissier. Les caissiers automatiques ont déjà remplacé les caissiers et caissières. Caissier et caissière. Mm-hmm. Caissier, caissière. Et dans de nombreux supermarchés, les échecs et les rêves ont révolutionné nos manières de consommer. Bon. Bientôt, nous n'aurons plus un supermarché. Supermarché. Ok, très, très bien. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que les caissiers sont en train de disparaître? Qu'est-ce qui fait disparaître les métiers du caissier? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui fait disparaître les fonctions, le métier de caissier? Dis-moi. Voilà. Oui, ok, merci. Exactement, les caisses automatiques. Merci. Les caisses automatiques. Qu'est-ce que c'est une caisse automatique? ¿Un cajero automático? Exactamente. Los cajeros automáticos. O las cajas automáticas. Sería en este caso. Les caisses automatiques. Très bien. Alors, on va lire les traducteurs. Aussi, pourquoi est-ce que les traducteurs auxquels on parle des logiciels traducteurs. S'il vous plaît, on va voir mademoiselle Mahon. Voilà.
Oh mon Dieu, merci beaucoup. Alors, on va voir mademoiselle Daïda. Oui. Traducteur, s'il vous plaît. Traducteur, les logiciels de traduction automatique sont plus performants et de plus en plus nombreux dans un avenir proche. On pourra avoir une conversation dans des langues différentes sans problème. Exactement. Très, très bien. Donc, dis-moi, que vont permettre les logiciels de traduction automatique? Qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre d'avoir quoi? Ils vont permettre d'avoir je ne sais pas qui va me permettre. Une conversation, exactement. Quel type de conversation ou quelle est la description de la conversation ici? C'est une conversation quoi? Dans des langues différentes. Langues différentes. Exactement. C'est une conversation, bien sûr, complète, sans problème, dans des différentes langues. Imaginez, si vous ne parlez pas, par exemple, je ne sais pas, chinois, vous pouvez le faire. Exactement, très, très bien. Alors, on va passer à l'autre. Avec les voitures intelligentes, qu'est-ce qu'on ne va plus faire? Et aussi, quels sont les avantages des drones? On va lire les chauffeurs des taxis. Les chauffeurs des taxis. S'il vous plaît, Monsieur Rodrigo. Ah oui, Monsieur Emiliano, merci. En quelle partie c'est un chauffeur de taxi? Chauffeur, oui. Chauffeur de taxi. La voiture intelligente a apporté son chauffeur aura un jour à noter place. Nous n'avons plus besoin de chauffeurs de taxi ou de permis de conduire. Très, très bien. On parle ici de la voiture intelligente. Qu'est-ce qu'on ne va plus faire avec les voitures intelligentes? C'est la négation. Qu'est-ce qu'on ne va plus faire avec les voitures intelligentes? Qu'est-ce qu'on ne va plus faire avec les voitures intelligentes? On aura un jour à notre place? Pas exactement, oui, mais il y a autre chose.
la trècheuse. Ok, oui, on n'aura pas de besoin de permis de conduire, ça c'est une chose, pour étonner mon nom. Plus de permis de conduire, et quelle autre chose on n'aura plus besoin de? À part de permis de conduire, quelle autre chose on n'aura pas besoin de? Qu'autre chose non nécessiteremos? Exactement. Des chauffeurs. Comme vous notez, nous n'aurons plus besoin de chauffeurs, des taxis ou des permis de conduire. Et à la fin, on va lire. Livreur. Les livreurs, c'est lui. Il est un livreur. Une personne qui bon, va par toute la cité, pour toute la ville, bien sûr, en livrant des paquets ou de quelque chose. Ça, c'est le métier des livreurs. S'il vous plaît, mademoiselle Karen, tu peux lire livreur. Oui, madame. Un jour, les drones remplaceront les camions de livraison. Livraison. Plusieurs sites de vente en ligne testent déjà cette solution plus rapide, plus écologique et moins chère. Exact. Si vous notez, les drones sont des avions télécommandés que vous pouvez commander en bas, abajo, et bien sûr les rondons volés. Donc, dis-moi, quels sont les avantages des drones? Quels sont les avantages? Ils sont plus quoi? Plus écologique. Quelle autre chose? Ils sont plus écologiques. Et quelle autre chose? Plus rapide. Plus rapide, exactement. Et aussi? Voilà. Exactement. Plus rapide et... Et aussi, quelle autre chose? Plus rapide, plus écologique et... Exactement. Perdón, mi Teams no actualiza rápido. Entonces me llegan sus mensajes mucho después. Voilà, y ahora no se ven. Bon, voilà. Moins cher. Très, très bien. Excellent. D'autres questions avec le vocabulaire? Alors, je veux que vous notez, je vais faire comme ça. Bon, ici, on a, pour parler du futur et pour imaginer l'avenir, fíjense que lo decimos igual en español, avenir. Un jour, on peut dire un jour, les drones remplaceront les livreurs. Bientôt, qu'est-ce que c'est bientôt? Pronto, exactement. Bientôt. Dans un avenir proche, proche, próximo, ou dans le futur, par exemple. Dans le futur. Alors, je veux que vous notez
de ce côté-là. Je vais faire comme ça. Les formes du futur. Okay. Les formes du futur. Si vous notez, on a par exemple niron. Iron, c'est un verbe au futur. Quel est le verbe ici? Quel est le verbe à l'infinitif? ¿A qué le suena? ¿A qué verbo le suena? Nous irons o nous n'irons plus. Irons, c'est le verbe. Exactement. Très bien. Ça, c'est le verbe aller. Voilà. Ça, c'est le verbe aller. Très bien. Par exemple, notez, on pourra. Pourra est le verbe quoi? À quel le suena? Podrá. Exactement. Très, très bien. Ça, c'est le verbe pouvoir. Podrá. On pourra. Notez les personnes. Nous, et vous avez, on va le faire comme ça, nous irons. On pourra. Notez ici, par exemple, nous n'aurons plus besoin. Aurons, c'est les verbes... Nous n'aurons plus besoin. Excellent. Les verbes avoir. Très, très bien. Vous avez ici les verbes avoir. Notez la terminaison ONS. ONS. Notez la terminaison pourra. Par exemple, les drones remplaceront. Autre verbe au futur. Et vous avez les drones. Quel pronom seriez les drones? J'ai, tu, il, elle, on, il, elle, nous, vous. Quel pronom seriez les drones? Exactement. Très, très bien. Il. Les drones, c'est comme la personne « il ». Et vous avez « remplaceront ». Quel est le verbe? Quel est le verbe? Voilà. « Remplacer », exactement. Vous avez de ce côté-là les verbes « remplacer ». Remplacer. Notez la terminaison O-N-T. Notez que le verbe est complet. Aguas, por aquí vemos un verbo completito. Remplacer O-N-T. Ça, c'est ce qu'on appelle comme futur simple. Esto es un futuro simple. Par exemple, quelle est la terminaison? Todavía no hemos visto todas las terminaciones, pero las que tenemos aquí. Quelle est la terminaison pour nous? Exactement. ONS. ONS. Quelle est la terminaison pour il, elle, on?
Ah, exactement. Très, très bien. Ah, quelle est la terminaison pour il, elle? Exactement. O, N, T. Ça me dit qu'on utilise un radical. Par exemple, quel est le radical de aller? Quel est le radical d'aller? Fíjense en la partícula antes de la terminación, ¿cuál es? Le radical en. No, fíjense en el verbo. Nous n'irons plus au supermarché. Antes de la terminación. Ajá. Ça veut dire que le radical, solo el radical de aller en futuro va a ser. Exactamente. Ir. Ir. ¿Quel es le radical de pouvoir? Pour, nos falta por ahí una R. ¿Qué es el radical de avoir? ¿Qué es el radical de avoir? Or. Or. Mais quel est le radical qu'on utilise avec les verbes remplacer? Quel est le radical avant la terminaison? C'est le verbe complète. La différence ici, c'est que de ce côté-là, vous avez verbe irrégulier. Verbe irrégulier. Oh mon Dieu. Voilà. Et ici, vous avez verbe régulier. Ça, c'est la différence. Qu'est-ce qui se passe? Entre les radicaux. Entre los radicales. Okay. La règle me dit, je vais vous montrer, la règle me dit. Le futur simple se forme, donnez-moi un moment, ici, de cet côté-là. Ya perdí mi. Ah, voilà, ici. Le futur simple se forme avec l'infinitif du verbe. Infinitif, ça veut dire les verbes complètes, sans conjugaison, sans conjugaison, sans conjugaison. Le futur simple se forme avec l'infinitif du verbe plus terminaison. Pour les infinitifs qui se terminent par « et », tous les verbes qui finissent avec « et », tous les verbes qui terminent con « et », on supprime les « et ». Bye bye « et ». On utilise le verbe complète, todo el verbo. Fíjense que no estamos quitando radical.
perdón, terminación. El radical es todo el verbo. Et vous avez les terminaisons. Quelles sont les terminaisons? C'est facile. De G, c'est E. Et ça, c'est les sons. Je vais les faire un petit peu plus grand. Je parlerai. Tu parleras. Il, elle, on parlera. Nous parlerons. On a seul. Vous parlerez. Ils parleront. Nasal. Ojo, porque estamos acostumbrados que il, el, vemos ENT. No es ENT, es ONT. Okay? C'est différent le futur. Et avec le verbe qui finit avec une E, bye bye la E. Bye bye E. Prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Ça, c'est avec les verbes réguliers. Mais qu'est-ce qui se passe avec les verbes irréguliers? Ah, les verbes irréguliers ont des radicales spéciaux. Sus radicales sont spéciales de los verbos irregulares. Les verbes irréguliers. Ya vimos, por ejemplo, aller, que c'est ir. Et les terminaisons, solamente vamos poniendo terminaciones. J'irai, tu iras. Il ira, nous irons, vous irez, ils iront. On a vu pouvoir. Je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. On a vu avoir. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Notez les radicales ici. Être, les radicales est ser. Faire, les radicales est faire. Ojo, porque el radical es especial. Voir, le radical c'est ver. Savoir, le radical est sort. Devoir, le radical c'est devre. Venir, le radical c'est viendre. Viendre. Il faut. Acuérdense qu'il faut es el verbo falloir y solamente se conjuga con il, no tiene ninguna otra conjugación. Esta es su conjugación. Il faudra. Il pleut. El verbo pleuvoir también solamente lo vamos a conjugar con il, que es llover. Acuérdense. Pleuvoir. Donnez-moi un nom, je vais changer. Pleuvoir. Ah, el radical se complete. El radical es el verbo completito. Parler, danser, manger, jouer, finir, n'importe lequel. C'est le verbe complete. Oui ou non? D'autres questions? Il faut faire attention avec les verbes irréguliers. Cuidado con los irregulares. Oui, derrière. Alors, par exemple, je vais... Les voy a dejar estos. De aquí nada más le anexamos courir, que es correr, avec la double R. Envoyer, enviar. Envers. Mourir. Morir, avec la double R, mour. Recevoir, recibir, recevre. Tenir, tener o agarrar, por ejemplo. Sostener también puede ser. Tendre, valoir, valer. Vaudre, es un mot comme ça. Que es como la lista de los verbos más irregulares que siempre tenemos. Los demás están repetidos. En la diapositiva anterior. Donc, rappelez-vous, la forme du futur, c'est les verbes à l'infinitif avec les terminaisons. Quelles sont les terminaisons? On va les faire comme ça. Et, à, a, on et on.
aguas no vayan a poner ENT, no es ENT. Ce sont les terminaisons du futur, seulement du futur. Et rappelez-vous que les verbes à l'infinitif, c'est les verbes complètes. Completito el verbo, completito, completito. Salvo por los irregulares. Okay? Par exemple, ce soir, je vous avez préparé. Quel est le verbe au futur? J'ai. Quel est le verbe futur? Ah ah, no se comentó el radical. El radical es el verbo completito. Quel est le verbe? Ah, exactement. Préparer, tenemos ahí completo el verbo y luego ahora sí, la terminaison. Préparer, ça c'est la terminaison. Ça c'est le verbe à l'infinitif. Préparer. Je préparerai un plat avec mon robot ménager. Dans 50 ans, on et vous avez pouvoir. Quel est le verbe au futur? On. Aguas porque es irregular. On pourra. Voilà. Vous avez. On pourra. Voilà. Nous, et vous avez le verbe travailler. Quelle est la conjugaison de travailler avec nous? Avec nous. Voilà. Non, eso es presente. No se confundan con el presente. Y cuidado porque la persona es nous. Nous travaillons, moi et nous. Ajá. Nous travaillerons, exactement. Nous travaillerons. Vous avez les verbes complètes. Travaillerons. Et vous avez la terminaison. Très, très bien. Nous travaillerons, moi. Et nous, vous avez les verbes avoir. Et nous aurons. Nous aurons. Très, très bien. Nous aurons plus de temps pour vivre. La vie, et vous avez le verbe être, c'est irrégulière. La vie. La vie sera. Sera. Plus facile. J'ai, faire, que c'est le verbe, c'est un verbe irrégulier. Je ferai, c'est tout. Exactement. Je ferai. Très, très bien. Oui.
je ferai des études. On est, et vous avez le verbe savoir. Quelle est la forme? Vous avez le verbe savoir, mais rappelez-vous que c'est un verbe irrégulier. On est. On ne saura. Exactement. On ne saura pas. Plus, ici c'est plus. On ne saura plus. Conduire dans le futur. C'est professeur et vous avez le verbe devoir. C'est un verbe irrégulier. Ce professeur Debra s'est formé aux nouvelles technologies. Debra. Debra. Voilà. Excellent. Très, très bien. Ce professeur Debra. Fíjense que se parece mucho al español. Les étudiants, et vous avez, n'est plus à l'air. C'est une négation normale, mais avec les verbes au futur. Quelle est la négation? Les verbes sont. Exactement. Voilà. Les étudiants n'iront plus. Le radical est ir. Et vous avez seulement la négation. Nada más cuidado con el apostrophe. N'iront plus. Excellent. Très, très bien. Alors, on va faire autre exercice. Jusqu'ici, d'autres questions? Non, madame. Ok. Très, très bien. Alors, écoutez et cochez les phrases au futur simple. Écoutez, écoutez. Unité 4. On n'arrête pas le progrès. Page 33. Grammaire. Le futur simple. Activité 1. A. Tu reviendras. B. Je vais réserver. Ça, c'est futur simple, oui ou non? Oui. Segurissimo. Non, exactement. Quelle est la phrase? Écoutez. Activité 1. B. Je vais réserver. Quelque chose comme ça, oui. Mais c'est je vais réserver. Quel temps c'est ça? C'est un futur, oui. Mais quel type de futur? Quel type de futur est-ce?
recuerdan de este tipo de futuro? Ça, c'est le futur proche. Este es el futuro próximo. Acuérdense que el futuro próximo es el verbo aller, conjugué au présent, conjugado en presente, plus un verbe à l'infinitif, con un verbo en infinitivo. Sí es un futuro, pero no es el futuro simple. Este es el futur proche, el futuro próximo. Ce n'est pas la même chose. Ojo, porque no es lo mismo. On continue. Seront. Hervé. C. Elles marcheront. Ça, c'est futur simple ou non? Exactement. Et quelle est la phrase? Seront. Excuse-moi. C'est. Elles marcheront. Quelle est la phrase? Elles. Acuérdense que la terminación nos ayuda a saber qué persona estamos hablando. Quelle est la phrase? Quelle est la phrase? Exactement, très très bien. Elles marcheront. El ONT me dice que es él, pero en plural, puesto que si fuera singular sería él marchera. Y el on me está diciendo que es plural. Elles marcheront. Excelente. Elles marcheront. D. J'aurai. D. J'aurai. Futur simple ou non? Exactement. Et quel est le verbe ou quelle est la phrase ici? Ici c'est... Notez les personnes. D. J'aurai. Quel est le pronom, par exemple, ou la personne? Quel est le sujet? Exactement. Et quel est le verbe? Ce je. Quel est le verbe ici? ¿No le suena por ahí algún radical? Exactamente. J'aurai. Sí, très bien. J'aurai. La siguiente. D. J'aurai. E. On travaillera. C'est futur simple ou non? Oui ou non? Exactement, oui. Oui, c'est futur simple. Quelle est la phrase? E. On travaillera.
la phrase est... Acuérdense el sujeto. Creo que es el travailleur. Ce n'est pas él, ce n'est pas tú. Si ya están por ahí cerca. ¿Lequel? On. On. Exactement. On. Très, très bien. On travaillera. Très, très bien. On continue. On travaillera. F. Vous avez vu? Ça, c'est futur simple, oui ou non? Non. Exact. Non. Quelle est la phrase ici? F. Vous avez vu? Ça, c'est... Vous avez vu? No, no tenía la última palabra. Ok, no se inquieta, on écoute. F. Vous avez vu. Ah, vous, oui. Vous avez. Vous avez quoi? Non. Vous avez vu. Ça, c'est passé composé. Ce n'est pas futur, c'est passé composé. Usted o ustedes vio o vieron. Vous avez vu. Et finalement. J'ai. Nous connaissons. J'ai. Nous connaissons. Futur simple, oui ou non? Oui. 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 Vous êtes sûr? Nous connaissons. Non. Non, ce n'est pas futur simple. Mais quelle est la phrase? Nous connaît exactement. C'est seulement. Nous connaissons. C'est présent. Nosotros conocemos. Présent dans l'indicatif. Normal. Tous les autres, oui. On a les futurs simples. Voilà. Alors, on va passer ici. Par exemple. On va faire c'est d'ici, c'est d'ici, entourer les verbes qui ont un futur irrégulier. On va trouver l'infinitif. On va trouver, encontrer l'infinitif. Par exemple, quel est l'infinitif de demandera? Exactement. Demander. Donc, on a demandé, que c'est régulière. Quel est l'infinitif de pourrait? Quel est l'infinitif? Quel est l'infinitif? Exactement. Pourrait, c'est un verbe qui est irrégulier. On va dire, oh mon Dieu, ça c'est régulière et ça c'est irrégulière. Voilà. Vous choisirez la bonne réponse. Quel est l'infinitif?
Exactement. Choisir. Si luego, luego podemos sacar el radical, significa que es regular. Choisir. Vous choisirez. Il ne sera jamais. Quel est l'infinitif ici? Savoir, exactement. Savoir est irrégulier. Il ne sera jamais. Il ne te verra pas. Quel est l'infinitif ici? Il ne te verra pas. Infinitif. Voilà. Boire. Ça veut dire que boire est un verbe irrégulier. Verra. On ira partout. Qu'est-ce qui se passe avec toi? On ira partout. Quel est l'infinitif? Voilà, exactement. Aller. Très, très bien. Ça, c'est un verbe irrégulier. On se promènera dans les rues. Quel est l'infinitif ici? On se promènera dans les rues. L'infinitif en. Notez l'infinitif. Quiten la terminación y vean el infinitivo. Exactement. Promener. Ça veut dire que vous avez un verbe régulier. On se promènera dans les rues. Tu auras faim. Hambre. Tu auras faim. Quel est l'infinitif? Exactement. Ça, c'est le verbe avoir. Ça veut dire que c'est un verbe irrégulier. Tu auras. Il pleuvra toute la matinée. Quel est le verbe ici? Pleu, ese es el verbo en presente. Acuérdense que es pleuvoir, llover. Pleuvoir, c'est un verbe irrégulier. Il faudra acheter un ordinateur. Il faudra. Quel est le verbe? Quel est le verbe? Acuérdense que este es un verbo específico, que solo se conjuga con una sola persona. ¿Cuál es el verbo? Falloir. Acuérdense que falloir significa se debe, pero solo se conjuga con il, es como al público en general. Se debe comprar una computadora. Il faudra acheter un ordinateur. Ils conduiront leur voiture. Quel est le verbe ici? Exactement. Très, très bien. Conduire.
Ça, c'est un verbe. Y regular. Acuérdense que los que terminan en E, se les quita la E. Uh-huh. El verbo. Conduire. Uh-huh. C'est important. D'autres questions avec le futur proche? On va mettre ça. Très bien. Bon, la classe prochaine, on va finir les exercices du futur proche, okay? Et on va continuer avec les thèmes. Mais si vous n'avez pas des doutes, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Aujourd'hui, on n'a pas de devoirs. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. No dudas, no preguntas. Merci beaucoup. Excellent. Ok. Excellent, merci. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.